Bonsoir à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à votre rendez-vous de tous les samedis, hein, Vie de Star. Et ce soir, nous serons en compagnie de deux stars. Nous allons recevoir dans un premier temps la chanteuse Lia. Et ensuite, nous allons recevoir un autre chanteur qui fait du rap, voilà, du rap chrétien, Mr. Cam. Ça sera pour tout à l'heure, mais nous allons y aller avec cette première plage musicale chantée par la chanteuse Lia, la première que nous recevons ce soir. C'est pour que Yahweh t'élève, c'est pour que Jésus t'élève. Si les hommes t'oublient, c'est pour que je t'élève. Quelle que soit ta position, c'est pour que je t'élève. Quels que soient tes soucis, c'est pour que je t'élève. On avance. Il y a des hommes qui naissent dans ce monde avec la cuillère en or dans leur bouche. Aussi des hommes qui naissent dans ce monde, ils ont toute leur famille pour réaliser leur projet. Mais toi. Retour sur ce plateau de Vie de Star, chanteuse Lia est avec moi. C'est avec un plaisir que je reçois notre chanteuse. Bonsoir. Oui, bonsoir, servant de Dieu. Bienvenue, chanteuse. Je vous bénisse. Amen, amen, amen. Je veux chanter un chant pour le public, pour dire à quelqu'un qui me regarde, pour dire que si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Amen. Si les hommes t'humilient, c'est pour que Jésus t'élève. Si ton mari t'a laissé, ta femme est partie, personne pour t'aider, c'est pour que Dieu t'élève. Amen. Il y a des hommes qui naissent dans ce monde avec la cuillère en or dans leur bouche. Aussi des hommes qui naissent dans ce monde, ils ont toute leur famille pour réaliser leur projet. Mais toi, personne devant toi, personne derrière toi, malgré tous tes diplômes, personne pour t'aider. Ah, personne dans ce monde difficile, personne pour t'aider. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Yeah. Ta galère d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Chante Lia, en tout cas, le début là, il faut faire ça un peu, c'est très intéressant. L'Éternel ne confie pas des grandes choses à quelqu'un qui va échouer. Uh-huh. Accepte ton temps de formation, car c'est pour que Dieu t'élève. Comme David, comme Moïse, mets ta confiance en l'Éternel et tu seras béni au nom de Jésus. Amen. Aïe, il était. Tout le monde. Oh, wow. Là, on marche nos ennemis. Allez, on va en savoir plus hein, sur chanteuse Lia. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? D'où elle vient? Et surtout, d'où elle tire toute son inspiration, chanteuse Lia? Avec toi, c'est qui la chanteuse Lia en long et en large? Oui, chanteuse Lia, c'est Lia Géraldine Fleur. D'accord. À l'état civil, mère de deux enfants, veuve, épouse de pasteur veuve. Voilà. Et je suis l'aînée de ma famille. Lia a commencé à chanter depuis l'âge de 12 ans. 12 ans, d'accord. Oui, je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé à l'église baptiste. Nous étions à l'école du dimanche et j'avais 12 ans. Et à l'école du dimanche, il n'y avait pas de chant véritablement parce qu'il y avait un concours où on devait prendre les enfants de 12 ans pour chanter. D'accord. Et gloire soit rendue à Dieu, il n'y avait pas assez d'enfants. Donc, on m'a pris aussi dans le groupe pour chanter. Et à cause de moi seul, ma voix, on a été dernier. Parce que tellement je chantais mal. C'est drôle. On a été dernier. J'ai eu l'habitude de relever mes défis. Donc, à partir de là, j'ai commencé à
travailler la voix. Durement, parce que la moquerie, vraiment, c'était difficile. Donc, je commençais à travailler et puis donner le meilleur de moi. Mmh. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui sont surpris que voilà, oui. Chantilly a sorti un album. Celle qui ne savait pas chanter autrefois. Aujourd'hui, c'est chanter. Voilà, par la c'est puissance chanter, du Saint-Esprit. Voilà. Et là, maintenant, vous avez sorti un tout premier album. C'est votre tout premier bébé qui est intitulé « À Dieu soit la gloire, gloire. ». Comment est-ce que vous êtes arrivé à voir cet album, Chantilly? Je veux rendre toute la gloire à Dieu parce que je n'ai pas de mots à dire. L'album est sorti il y a 2 ans maintenant. Mmh. Et c'est dans des moments difficiles. Je suis chanteuse il y a longtemps, comme je le dis là. Mmh. Mais j'ai eu l'envie de m'exprimer, de parler au cœur de quelqu'un au travers l'album. Parce que je suis passée par des moments difficiles. D'abord, dans mon enfance, je n'ai pas connu la joie de l'enfance. Parce que j'étais aînée de ma famille. Et à l'âge de 12 ans encore, ma mère est devenue folle. Donc, oui. Donc, avec mes frères, on n'a pas connu la joie de vivre. Mm-hmm. Savoir qu'une mère qui t'a mise au monde est folle, ça a été vraiment difficile. Voilà comment je me suis donnée d'abord au Seigneur. Mm-hmm. Parce qu'en face de nous, il y avait une église. À tout moment, il y avait la joie. Donc, je recherchais la joie. Mm-hmm. Donc, voilà comment est-ce que je me suis rentrée dans cette église et je me suis réellement accrochée au Seigneur. Et dans ces moments-là, j'ai toujours chanté. Et Dieu m'a fait la grâce de me marier. Mm-hmm. Après le mariage, voilà. Après le mariage, 12 ans après, j'ai eu 2 enfants et mon époux est décédé. C'est là que j'ai compris que la vie n'était pas facile. Mm-hmm. Parce qu'avant de mourir, un homme de Dieu, il n'avait pas grand-chose. Mm-hmm. Il nous a laissé que 10 000 francs. Mm-hmm. Mais avec ces 10 000 francs, pendant même les funérailles, j'entendais le son des gens qui me disaient, mais comment tu vas faire, c'est pour le meilleur, pour le pire, avec les enfants. Donc, j'étais vraiment abandonnée après les funérailles. Donc, je commençais à dormir dans les églises, faire des fanicos. C'était difficile, hein? C'était vraiment difficile. Faire c'est facile fanico, à expliquer. Les fanicos ici en Côte d'Ivoire, en fait, ce sont ces femmes-là qui se promènent de maison en maison. Nous sommes suivis dans plus de 149 pays, donc comme je t'explique, hein, Chantre. Donc, les fanicos sont ces femmes-là qui se promènent de maison en maison pour faire des lessives et puis en contrepartie, on leur donne De l'argent. Pas beaucoup, hein, mais pas quand beaucoup. Même quelque chose. Voilà, ça a été donc vous vraiment... avez fait cela. Mm-hmm. Mm. Ça a été vraiment difficile. J'ai dormi d'abord dans une première église, tu n'es pas loin de la BAE. Mm. J'ai passé quelques nuits là-bas et avec les enfants, c'était difficile parce que c'est à l'air libre. Je ne savais même pas où aller avec les enfants. Et j'étais obligée de faire ce travail-là pour me donner le nécessaire. Mm. Pour ne pas tendre la main dans les rues à cause des enfants ou abandonner la main du Seigneur. Parce que je suis jeune, je pouvais faire n'importe quoi. Exactement. Mais à cause du Seigneur, j'ai préféré garder la foi et chercher à faire ce travail-là. Et quand je n'avais pas d'habits à laver, j'allais dans les restaurants pour faire des contrats, pour laver les mamites des femmes, pour que mes enfants aient à manger. Et j'ai commencé à garder un peu. Parce qu'il y a un pasteur à l'église de Yopougou encore qui m'a hébergé dans l'église. J'ai dormi à l'église. Mmh. Donc là, j'ai commencé à garder un peu difficilement. Mais je croyais que je pouvais faire sortir un album. Amen. Je croyais fermement que je pouvais faire sortir un album. Non. Pendant que j'étais dans l'église, je composais. Je composais les chants. Je composais souvent au marché. Quand je dors au marché, je compose les chants. Je veux dire merci à un monsieur qui m'a beaucoup aidé au niveau d'Abobo. Dans le marché d'Abobo qui m'a permis de dormir au marché. C'est dangereux quand même. Oui, c'était vraiment dangereux, mais il m'a permis de dormir au marché. Au marché de Port-Bredeux aussi, le gardien du marché de Port-Bredeux, à qui je dois grand merci. Parce que chaque semaine, il faisait l'effort de me donner 500 pour que je me lave au moins. Mais dans ça, ce qui m'a plu, c'est que je n'ai pas abandonné la main du Seigneur. J'avais mon sachet bleu et j'avais mes habits dedans. J'ai mon petit téléphone. Quand il y a un programme, on m'appelle, « Ah, Géraldine, est-ce que tu peux venir chanter ?» Je ne faisais pas pitié. Je porte mon habit, je me lave dans les douches publiques et je vais servir Dieu. Vous devenez une autre personne. Voilà, je deviens une autre personne. Mmh. Et lorsque je prends le micro, je me sentais, j'oublie mes soucis, j'oublie que j'ai des problèmes. C'est quand je finis de chanter que tout le monde s'en va. C'est là que je me rappelle. Waouh, Lia, voilà. Là, vous me rendez super triste. Je pense qu'on va arrêter un peu. Hein. Voilà. On va arrêter un peu. On va s'arrêter là pour l'histoire, s'il te plaît, pour nous permettre de continuer cette émission-là parce que l'histoire, elle est vraiment, vraiment, vraiment triste. Oui, et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous vous voyons rayonnante. Donc, on aimerait bien savoir la fin de l'histoire. Voilà. Je veux encore remercier ceux qui m'ont aidé, les arrangeurs, parce que sans moyens,
Une fois, j'ai eu un contrat de 35 000 francs. Et ce jour-là, c'était des millions pour moi. C'est avec 35 000 francs, je suis allée me jeter dans un studio pour dire, aidez-moi, sauvez-moi, arrangez mes morceaux. Donc, on a ouvert un cahier, j'ai commencé à prendre crédit. Quand je gagne un peu, je viens verser jusqu'à ce que j'arrive à terminer. Et aujourd'hui, vous avez l'album intitulé « Adieu soit la gloire ». Et bien évidemment, « Adieu soit la gloire », quand nous avons entendu un si grand témoignage, un témoignage rempli d'émotions. Voilà, Chantre Lia aujourd'hui sort cet album-là de 6 titres. Nous allons marquer une toute petite pause, hein, une toute petite pause, et puis nous allons revenir pour en savoir plus, hein, sur vos 6 titres. Allez, nous allons aller avec les titres, hein, 6 titres pour la Chantre Lia. Nous avons le premier titre, c'est pour que Dieu t'élève. C'est ce que nous avons vu en clip. Oui, bien sûr. C'est pour que Dieu t'élève. Juste pour dire à quelqu'un que si tu traverses des moments difficiles, il y a l'objectif que Dieu veut atteindre dedans. C'est pour que Dieu t'élève. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. C'est ça. Parce et là, vous l'avez vécu, hein, donc vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle, voilà. D'accord. Et le titre numéro 2, indiscutable, Dieu oui, indiscutable, Dieu est. C'est pour dire à quelqu'un que tu peux discuter tout. Même tu peux discuter sur tout, mais Dieu, on ne le discute pas. Il est capable. Quand il dit qu'il va te lever, quel que soit là où tu es né, quel que soit ce que tu vis, il est capable. Amen. Donc on ne peut pas discuter Dieu. Ça ne se discute pas. Il est avant, il sera toujours après. Voilà, l'unique, donc, la véritable unique, Dieu. Véritable le titre Dieu. Numéro 3, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Quand tu écoutes mes chants, ce sont des chants qui disent la même chose. Parce que j'avais besoin d'exprimer, de parler à quelqu'un, d'encourager quelqu'un. J'avais une mission de parler à quelqu'un pour dire, Dieu peut tout faire. Amen. Tu peux être aujourd'hui athée, mais si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il peut tout faire. Amen. Il peut te guérir de la maladie dont tu souffres. Il peut te donner un enfant. Il peut te donner du travail. Ne te méprise pas. Ne te sous-estime pas. Dieu peut tout faire. Amen. Le titre numéro 4, Seignomblé. Ça, c'est chanté en quoi? Oui, c'est chanté en Nyambwa. Les Wobé comprennent. D'accord. Les guérés comprennent. Ça veut dire je n'ai personne. Ah, d'accord. Hein, c'est un moment donné de ta vie. Tu te rends compte que tu n'as personne. Mais en ce moment, il faut écouter la voix de Dieu. Voilà, quand je chante le chant, je dis, si tu n'as personne, écoute au moins la voix de Dieu. Lui au moins, il est capable de t'orienter sur le bon chemin. Amen. Voilà. Le titre numéro 5, Onyenou. Oui, c'est le chant. Ça aussi, c'est en Yabo aussi. En Wobé. En Wobé cette fois-ci, d'accord. C'est le chant qui me touche le plus parce que le chant dit, Dieu va faire. Dieu va faire, il ne t'a pas oublié. Oublie simplement le passé. Parce que Dieu compose avec l'avenir. Amen. Il se renouvelle, ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc, quelqu'un qui n'oublie pas le passé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Non, tu ne vas pas arriver au bout. Il faut croire et puis il faut oublier le passé. Parce que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et enfin, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Si l'Éternel est ton Dieu, tu ne seras pas dans la confusion. Amen. Tout simplement. Waouh! Alors, vous avez tellement bien expliqué vos différents titres. Hein. On sent que vous l'avez écrit avec tout votre cœur et surtout tout votre amour. Donc, je rappelle à tous nos téléspectateurs que « Adieu soit la gloire », c'est l'album de la Chantre Lia qui coûte… 3 000 francs. 3 000 francs CFA et c'est déjà dans les bacs à cassette. Oui, on peut trouver tous ça les bacs à cassette, à CD, on y trouve. On peut trouver ce CD-là, il faut vous procurer ce CD-là qui est rempli en tout cas de CD, on va dire, c'est rempli d'émotions. Mais aussi ce CD, je pense, est dédié à toutes ces personnes qui souffrent dans la vie ou qui ont un moral assez bas. Il faut croire en Dieu et croire que Dieu peut vous retirer de la boue et puis vous faire asseoir à la table des grands. Elle l'a chanté, elle l'a vécu également. Donc procurez-vous l'album, ça ne coûte que 3 000 francs CFA et vous allez retrouver des titres incroyables comme c'est pour Dieu, c'est pour que Dieu t'élève, indiscutable Dieu est, tu peux tout faire, Seignomblé, Onyenou, tu es mon Dieu. 6 titres à ne manquer sous aucun prétexte. Chantre Lia avec toi, dis-nous quel est ton plat préféré. Mon plat préféré. Du riz à la sauce graine. Ah, du riz à la sauce graine. Bon, t'es pas bêté, mais tu aimes ça quand même. Bon, d'accord. Okay. Voilà. Et la couleur préférée de la chambre? J'aime le bleu. Le bleu. J'aime d'accord. Beaucoup le bleu. Avec toi, nous allons y aller avec ton mot de fin à l'endroit de toutes ces personnes-là qui te suivent partout dans le monde entier, tes fans qui te regardent aujourd'hui, Chantre Lia. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour terminer cette émission? Je veux dire à quelqu'un que la situation que tu vis, l'objectif de la situation, c'est de te tuer. Mais c'est à toi de décider et de croire en Jésus-Christ. Si tu ne veux pas mourir, crois simplement en Jésus. Oublie le passé. Compte sur le Seigneur Jésus. Amen. S'il a fait pour moi, il est capable de le faire pour toi. Il dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Les hommes peuvent te tuer,
Mais si tu crois en l'Éternel, tu ne seras jamais dans la confusion. Voilà ce Amen. Que j'ai à dire. Merci infiniment, Chantrelier. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir hein, à vous recevoir sur ce plateau. Et puis, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. Oui. Voilà, donc, je pense que toutes les femmes également qui t'ont suivi aujourd'hui, oui, dans le cadre de cette émission, doivent comprendre hein, qu'il faut se lever également. Oui, les femmes même doivent quand se on est mariées, voilà, il faut quand même faire quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins, oui, des enfants au cas où monsieur part avant nous. C'est n'est-ce ça. Pas C'est ça. C'est ça même. Nous te raccompagnons avec cette plage musicale, Chantrelier. Merci. Et puis, nous allons céder la place de la chantre à maintenant. Mister Cam qui s'installe. L'Éternel ne confie pas de grandes choses à quelqu'un qui va échouer. Accepte ton temps de formation, car c'est pour que Dieu te lève. Comme David, comme Moïse, mets ta confiance en l'Éternel et tu seras béni. Ton témoignage de demain, tu seras élevé. Oh, oh, oh.
tu seras acclamé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. La pierre jetée est devenue la principale. Il est installé notre deuxième invité concernant ce numéro de vie de star. Je reçois Mr. Cam. Voilà, c'est du rap chrétien. C'est très rare, mais aujourd'hui, nous avons l'un des chantres chrétiens qui fait du rap. Mr. Cam. Effectivement. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vie de star. Merci, merci. Alors, tu es l'un des... le deuxième que je vois, parce que nous avons eu déjà Etiflo, le moissonneur, à qui je fais un gros coucou, qui fait du rap. Et là, aujourd'hui, nous avons Mr. Cam. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la musique et surtout à te spécifier dans le rap? Ok, bon, faut dire que l'histoire même remonte à 2012. D'accord. Juste après ma conversion, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'écoutais beaucoup la musique qu'on connaît, c'est-à-dire ce qui est récurrent en Côte d'Ivoire. Et voici que je me suis dit, mais pourquoi pas chercher un peu à l'extérieur, c'est-à-dire les chrétiens d'Europe, des États-Unis et tout ça. Donc, c'est ce qui m'a mené à faire des recherches. Et je suis tombé sur des gens qui font du rap chrétien. Et c'est de là que tout est parti. D'accord. Ta conversion en elle-même, elle m'intéresse. Hein? Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Oui, ça c'est vrai. au fait, j'ai été invité par un ami à l'église. Il faut dire que déjà, tout petit même, je partais parce que ma mère est chrétienne et mon père musulman. Donc, tout petit, à l'âge de 6 ans, elle nous emmenait à l'église et autres, excusez. Maintenant, arrivé ce moment, j'ai arrêté. Et voici que j'ai un jour, un ami m'invite à l'église et je vais. Là-bas, je me rends compte que l'ambiance est propre. Au fait, l'accueil est chaleureux. Je constate l'amour qu'ils ont pour leurs proches. Et tout cela m'a emmené à revenir encore. Et au fur et à mesure que je venais, il y avait des moniteurs en ce temps-là qui m'encadraient, me donnaient des conseils, m'évangélisèrent. Et c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Et là, tu es devenu chrétien, tu as demeuré dans cette église? Oui. Mais plus maintenant, en fait. Parce qu'il y a eu... On a un peu changé de zone, donc je suis allé dans une autre église. Là, maintenant, vous êtes dans une autre église. Ouais. Mais en tant que chantre de l'Éternel, cette fois-ci, et c'est du rap que tu fais, et ça donne ceci. Nous allons avec le clip de Mr. Cam, qui, je rappelle, s'appelle Kamagate Ibrahima. Voilà, c'est parti. Vivre sans Christ, c'était une proie pour toutes les forces mystiques. Son évangile te donne la médecine parce que tu n'es pas en lui. Dans la suite, par la TV, on va de Christ. Car as-tu ton pied pour le paradis si t'es un disciple malgré Jésus? Jésus, pour ta santé, pour ton manger, crie Jésus. Jésus, pour ta clique, pour le buzz, crie Jésus. Jésus, crie Jésus. Jésus, dira de les mythomanes dans le père à mes mais dans le père à pas ne rien dégoûte. MK, plusieurs sont toujours perdus. Il me donne d'être un élu. Comment ne pas dire merci, merci Jésus pour mon salut. Quand je passe dans la fuite, les rages veulent ma chute. Impossible de te toucher car Jésus Christ est mon abri. D-I-S-U-S, J, il donne la joie. E, il t'élèvera. S, il te sauvera. U, il enlève l'usure. S, détruit la souillure. Pose son corps à Job, dis merci même si c'est dur. Refrain. Je fais du rap, du gospel. L'esprit me vient, du ciel. Je fais du rap. Voilà, alors Mr. Cam, pour vous très chers téléspectateurs, si vous venez juste de nous prendre en marche, l'émission c'est Vie des Stars, nous avons eu tout à l'heure la chanteuse Lia, et là maintenant nous sommes en compagnie de Mr. Cam, avec qui nous parlons d'un album qui va sortir très 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 bientôt. L'album est en cours. Oui, c'est sûr. Vous êtes en studio?
Ouais, il reste juste un titre, un featuring avec un de mes confrères. Mmh. Et après ça, après ça, on aura l'album dans tous les bacs à cassette. Donc, tu avais tenu quand même à venir nous saluer sur le plateau de Vidéostar. Ouais, on va précéder les choses. Précéder les choses et parler de l'album à présent. Un album qui sortira très bientôt, je le rappelle. Un album de 8 titres avec, bien entendu, Joie de vivre, dis merci au Christ, louons-le, Adonai, I'm blessed, pense à God, Jésus is the way et you are my life. On va y aller avec... Il y a un titre zéro ? Non, il y a... D'accord, il y a un premier titre. D'abord, on va y aller avec Joie de vivre. Ouais, ok. Mmh. Donc, Joie de vivre, au fait, c'est... Juste pour, dans ce chant-là, je montre que lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il m'a apporté une joie que je ne trouvais pas ailleurs. Mm-hmm. Ça dit cette paix du cœur. Cette paix du cœur-là, donc, c'est un peu ça. D'accord. Le titre numéro 2, dis merci au Christ. Ok, dis merci au Christ. Je dirais même que c'est le titre phare de l'album. D'accord. Dans lequel j'invite tous les chrétiens déjà à rendre grâce à Dieu, quelle que soit la situation qu'ils traversent. Donc, c'est un peu ça le titre. D'accord. Le titre numéro 3, louons-le. Donc, louons-le, il est écrit dans la parole du Seigneur que Dieu siège dans la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, je rappelle un peu, en fait, à tous ceux qui l'ont oublié, qu'il est très important de louer le Seigneur. Il est très important de louer le Seigneur. Et tout ça, les chantants, on rappelle. Ouais. Comment est-ce que ça vous vient, vos inspirations? Faut dire que déjà, En collaboration avec mon arrangeur, il essaye de me trouver un beat, ce qu'on appelle dans le rap un instrumental au fait. D'accord. Et là, je prends l'instru et en fonction de ça, je cherche un thème et Le thème, vous le cherchez comment? Pendant que vous dormez, pendant que vous marchez, ou vous regardez en fait tout ce qui se passe dans la vie, vous vous inspirez de quoi en fait? C'est ce qu'on veut savoir. Non, en fait, généralement, je m'inspire un peu de tout ce qui se fait dans la vie. D'accord. Et tout ce que je constate au niveau de la vie des chrétiens et même de ma vie aussi. D'accord. Donc, okay. C'est un peu ça. Le titre numéro 4, Adonai. Donc, Adonai, là, c'est un chant fait sur une mélodie zouk. En fait, c'est... Ah, il y a un peu de zouk dans le rap que tu fais. En fait, c'est du rap que j'adapte à une mélodie zouk. Comment? C'est-à-dire que le rythme est en zouk et Mais c'est je durable. Fais du rap dessus. D'accord, on essaie de voir. Ça donne quoi en fait? Comment on chante Adonai? Okay. Je parle de toi, jeune fille au cœur en or, servante précieuse car le ciel t'apprécie. Ton œuvre à l'église est connue de tous les hommes. Les réunions du soir, non tu ne rates pas une, le temps, les années passent. Adonai, c'était le titre numéro 4 avec Mr. Cam. Et puis le 5, I'm blessed. Là, c'est chanté en anglais. Ouais, I am blessed, c'est pour dire que je suis béni au fait. C'est en anglais et comme j'aime bien l'anglais. Je ne suis pas anglophone, mais j'aime bien l'anglais que j'apprends, donc c'est un peu ça. D'accord. Le titre numéro 6, pense à Dieu, donc pense à God. Pense à God. En fait, ce titre-là, je l'ai chanté particulièrement pour la jeunesse et surtout pour ceux du monde, pour dire qu'il est très important de penser à God. Dans le titre même, je dis qu'un jour paraîtra la mort où tu seras devant le trône de ton Dieu. Et ce jour-là, il te demandera des comptes. Qu'est-ce que tu diras lorsqu'il te demandera ce que tu as fait pour lui? Donc, c'est maintenant qu'il est temps de penser à God. D'accord. Jésus is the way. Ok, Jesus is the way, c'est aussi un titre que j'ai fait en anglais. Et là, je dis que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, comme le dit la Bible. Donc, Jesus is the way, je veux dire que c'est par lui seulement que tu peux avoir accès au paradis. D'accord. C'est quoi la vocation de ton album? L'album qui est en cours là, c'est quoi la vocation? Ok, comme le titre même le dit, merci Jésus, je me redis, c'est pour inviter les chrétiens à rendre grâce à Dieu. Et aussi le deuxième but, c'est d'emmener toute personne qui ne connaît pas le Christ, de l'accepter réellement de sa vie. Amen. Nous avons des titres numéro 8 comme You Are My Life. Nous avons également C'est Impossible, et puis le titre numéro 10, Porteur de vie. Quel est le titre qui t'a le plus marqué? C'est le Dieu merci au Christ. Pourquoi? Sur lequel j'ai fait le clip. Pourquoi c'est le chant qui t'a le plus marqué? Dieu merci au Christ parce que c'est une inspiration même qui m'est venue de ma propre vie, de ma propre expérience. Il faut dire que le Seigneur m'a tout le temps soutenu depuis l'année 2013, lorsque j'ai rencontré des difficultés dans ma vie, il a toujours été présent et
dans les études aussi, il me soutenait et il me soutient toujours. En fait, on dira que avoir mon parcours, ma vie, c'est un miracle, en fait. Donc, d'accord. Je lui rends grâce. Ça a été un miracle en quoi? On veut comprendre, hein, Mr. Cam, on veut te connaître plus, parce qu'ici, c'est Vie de Star, et cette émission, c'est justement une émission pour que nous puissions mieux connaître nos chantres de l'Éternel d'ici et d'ailleurs. En fait, un miracle, bon, c'est un souvenir un peu tragique, mais bon, j'en parle quand même. Il faut dire qu'en 2013, lorsque je devais passer le bac, à une semaine de l'examen, j'ai eu à perdre un étier, ma grande sœur. Ah, d'accord. Okay. Et malgré cela, le Seigneur m'a réconforté, m'a soutenu. C'est vrai que ça a eu un impact sur mes résultats, mais effectivement, j'ai eu le bac cette année. Amen. Donc, avoir tout ça, je me dis qu'il est important de dire merci au Christ. Vous continuez les études? Ouais. Je viens d'obtenir une licence. Une licence. Ouais. Donc, comment est-ce que tu arrives à concilier les deux, c'est-à-dire la vie du chantre et puis la vie de l'étudiant? Bon, en fait, il faut dire que les études, en réalité, je le fais juste pour faire plaisir à mon père. Ah ouais? Sinon, je suis passionné par le rap, la musique. Tu ne comptais pas faire carrière dans les études? Bon, je sais qu'arrivé au moment, il va falloir choisir, je vais choisir la musique. La musique. Ouais. Alors aujourd'hui, Mr. Cam, hein, c'est vrai que l'album est en cours, donc l'album va sortir pour vous, très chers téléspectateurs. Il faut vous préparer à cela. Dans moins de 2 mois déjà, vous aurez cet album-là dans tous les points de vente à cassette, dans tous les points de bac à cassette. Hein, donc l'album de Mr. Cam sera disponible pour toutes ces personnes qui sont fans de rap, donc du rap chrétien. C'est également de l'évangélisation, donc offrez-vous l'album. Alors, est-ce que tu penses que cet album-là pourra atteindre tes objectifs? Quand nous savons aujourd'hui que dans le milieu chrétien, ici en Côte d'Ivoire surtout, on n'est pas très habitué à la tendance rap. Ouais, il faut dire que je suis parfois confronté à ça. Il y a des personnes qui n'aiment pas vraiment le rap, surtout dans le milieu chrétien. Mais j'ai remarqué que la jeunesse en général aime le rap. Donc c'est surtout pour la jeunesse païenne que je fais ces titres-là. Pour les emmener à écouter du rap chrétien. Et en fonction de ça, ils verront que les messages sont édifiants et ils verront l'importance du Christ dans la vie. Est-ce que tu as déjà quelques personnes dans ton entourage qui ont été impactées par tes tests? Par mes tests, oui, oui. J'ai reçu des témoignages de certains amis. Il y a un même qui m'a dit récemment via les réseaux sociaux que lorsqu'il écoute mon rap, que c'est vraiment touchant et ça lui fait prendre conscience et tout ça. Si c'est un fait de la vie. Alors, Mr. Cam, moi, je n'ai pas encore écouté ton rap parce que l'album n'est pas encore sorti. Est-ce que tu peux nous faire écouter encore un autre test de ces différents titres que nous avons cités tout à l'heure? On y va. Mr. Cam, c'est mon place et mon roi, c'est Yeshua. Tous les jours, je rappe le Christ, c'est en lui que je crois. Il est mort pour moi afin que mon âme ait la joie. Même quand je pleure, c'est lui qui reçut mes larmes. Il conduit ma life, je ne kiffe plus le chétan. Donc, quand j'ai un problème, les gars, c'est lui que moi j'appelle. Ouais, fini les peines et les peurs, les rancœurs. Désormais, la joie et la paix dans mon cœur. Pas la peine d'arrêter de le suivre. Par la peine de penser à le fuir. Sans le Christ, c'est l'abîme. Ouais, Néga me dit la Bible. Fini toutes ces femmes de nuit. Fini toutes ces bois de nuit. Saint-Esprit, mon ami, viens, viens, viens remplir ma vie. Je kiffe le Christ, même si je sais bien que c'est dur. J'ai dû laisser des fils pour devenir son disciple. D-I-S-U-S, c'est lui que je rappe. D-I-S-U-S, c'est lui que je rappe. Ces gars me prennent pour un loser. Pourtant, je suis un vainqueur, Christ est plus que vainqueur, donc j'ai pas peur de ces losers. Dites à tous nos frères qu'il est bien d'avoir la foi, bien ou mal, il est bien de vaincre le mal. Non, la mort ne prévient pas. Choisis le Christ maintenant que t'as le choix. Le diable nous attaque, mais on garde la foi, on garde les lois, mais pas comme Ananias. Yeah. C'est bien, c'est pas mal, en tout cas pour une catégorie de personnes, je suis sûre que vous êtes très heureux chez vous à la maison, tous ces rappeurs là, voilà, qui pensent qu'on ne peut pas faire du rap chrétien, je pense que c'est effectif avec Mr. Cam, retenez le nom, hein. Mr. Cam, ça va sortir très très bientôt, donc Mr. Cam c'est lui, merci infiniment à toi d'être passé sur ce plateau, je rappelle que l'album qui est en cours est composé de 10 titres, hein, donc...
dont Joie de vivre, dit merci au Christ, louons-le. Adonai, I'm blessed, pense à God, Jesus is the way, you are my life. Et puis, c'est impossible. Et puis, porteur de vie, voilà, c'est le dernier titre qui sera sur l'album. Merci, Mr. Cam, d'être venu encore une fois. Nous allons te permettre de dire ton mot de fin. Bon, je dis déjà à tous ceux qui me suivent de continuer à me suivre sur ma page Facebook, Mr. Cam, mon compte YouTube, Mr. Cam. Surtout qu'il est très important d'avoir le Christ dans sa vie. Sans lui, tu peux tout avoir dans ce monde, mais sans le Christ, le paradis, non, c'est impossible. Amen, Mr. Cam. Merci infiniment à vous, très chers téléspectateurs. Hein. Vu de ça, s'achève ici. Nous avons pris beaucoup de plaisir à recevoir Chantre Lia. Et maintenant, Mr. Cam, on vous dit de bien vous porter, que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous, chez vous, à la maison. Agréable après-midi. Mr. Cam, tiens. Merci au Christ. Mr. Cam en place, je parle de Jésus Christ dans mon rap. C'est ma fierté, ma Dieu pour c'est toujours dans ma life. N'oublie jamais ça, ça. Vivre est une grâce, grâce. Parle de Christ, entends de Christ, c'est une preuve de foi. Mes négos disent Cam, mais pourquoi tu fais ce genre de rap? Je réponds, man, c'est plus fort que moi, faudrait que j'en parle. Chanter, louer, danser, rapper, bouge, je reste OP, OP, car pour moi, rester donner, je fais du rap, du gospel, l'esprit me vient, du ciel, je fais du rap, du gospel, l'esprit me vient, du ciel, dis merci au Christ, 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 vivre sans Christ, c'était une voix pour toutes les forces mystiques. Son évangile te donne à médecine parce que tu n'es pas en lui. Dans la suite, par la TV, on va de Christ. Car as-tu ton pied pour le paradis? Si t'es un disciple, marque Jésus. Jésus, pour ta santé, pour ton manger, crie Jésus. Jésus, pour ta clique, pour le buzz, crie Jésus. Jésus, crie Jésus. Jésus, dira tous les mythomanes dans le père à mi quand mais dans le père à panne, regarde les gosses. MK, plus elles sont toujours perdues. Il me donne d'être un élu. Comment ne pas dire merci, merci Jésus pour mon salut. Quand je passe dans la fuite, les rages veulent ma chute. Impossible de te toucher car Jésus Christ est mon abri. D-I-S-U-S, J, il donne la joie. E, il t'élèvera. S, il te sauvera. U, il enlève l'usure. S, depuis la souillure. Pose encore à Job, dis merci même si c'est dur. Refrain. Je fais du rap, du gospel. L'esprit me vient, du ciel. Je fais du rap, gospel. L'esprit me vient, du ciel. Dis merci au Christ, dis merci au Christ. 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 Appelle-moi Mr. Cam, j'ai compris tant de mystères. Désormais fils du ciel, négro, je rappe ou disais. Déçu du passé, fier d'être à ses côtés. Avec lui, de lui, par lui, pour lui, en lui, je vis. Je prie toujours, même hier, je l'ai fait. Puis hier, la vie que j'ai me vient droit du père. Vipère, quand je rappe, jaloux est le chétan. Tu cherches un modèle, pense pas à Dracula. Je fais du rap, du gospel. L'esprit me vient, du ciel. Je fais du rap, du gospel. L'esprit me vient, du ciel. Dis merci au Christ, dis merci au Christ. 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 Big up for Junior, for Jesus. Urban Gospel Academy. À tous ces jeunes qui consacrent leur vie au Christ. De K.S. Shalom Music. Yeah.